Bonjour. Vous roulez à 2 km/h et pourtant vous êtes flashé à 117 km/h. C'est normal. Quelque part dans la France, un radar fixe est un peu foufou. Par exemple, il a flashé une Citroën de collection à 117 km/h. Et bien sûr, les propriétaires ont été convoqués au tribunal de police. Récemment, une journaliste de la BBC a fait, je crois, la plus grosse erreur de sa vie de journaliste entière de... annoncer la mort de la reine Elisabeth II. Sur Twitter en plus. Et quand la BBC a présenté ses excuses, il donna une autre version. Ça serait à cause de la simulation de l'événement en interne. Au Japon, des fabricants japonais d'ascenseurs envisagent d'installer des toilettes dans leur ascenseur. Selon eux, ça serait pour prévenir une situation d'urgence comme un séisme ou quoi. Sauf que cela paraît complètement what the fuck pour nous. À Rennes, une femme qui est morte en 1656 a été retrouvée 350 ans après, donc en mars 2014. Et en plus dans un très très bon état pour son âge. Et il y a juste un petit dernier truc avant. Alors, je vais prendre mon ciseau. Attends, mais elle est passée où? Et attends. Elle s'est barrée avec mon os! En 1656, on mangeait. Et voici, chère demoiselle, un os sur son lit de pommes de terre. Maintenant que votre dose de désinformation est terminée pour aujourd'hui, je vous invite maintenant à rejoindre la chaîne, les réseaux sociaux, à mettre un pouce bleu, hein, comme les désinformations internetisées, et surtout, partager la vidéo, ça c'est le plus important. Et sur ce, bonjour tout le monde!